Les amis, on débute la visite. Vous inquiétez pas, c'est un petit chien qui aboie. On va faire le tour du village. On a des monstres vues qu'on a chaque fois là, sur la chaîne des Pyrénées. Vous avez vu ça? C'est pas beau ça? Alors les amis, Carlabaille, certes c'est une cité d'artistes, mais regardez aussi ce qu'il y a beau à voir et à faire. C'est le tour de son lac. Alors, je ne sais pas si je ferai le tour du lac avec cette vidéo aussi, ou si je vous en ferai une autre plus tard. En tous les cas, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Alors les amis, car là-bas, c'est un village de multiples couleurs. Hein. On le voit chaque fois qu'on passe devant une maison, il y a des couleurs différentes à chaque fois. Donc là, on a une table d'orientation. Je vous laisse faire pause si vous voulez la voir. Hein. Et puis après, on a la vue sur le lac. Magnifique. Et cette vue sur les Pyrénées, qu'est-ce que je devrais dire alors? Regardez-moi cette chaîne des Pyrénées là, comme c'est magnifique. Alors pour l'instant les amis, je ne vais pas prendre les ruelles, je vais faire le tour du village et puis après je prendrai les ruelles pour vous les montrer une par une. Mais pour l'instant je poursuis ce beau chemin. Regardez, magnifique, toute beauté. Ce sont des pierres qui, si vous pouvez parler, nous diraient beaucoup de choses. C'est vrai que vous savez que j'aime les pierres, mais regardez-moi toutes ces façades, comme c'est magnifique les amis. Ça faisait longtemps que je voulais venir ici. Il a fallu un coup du sort pour que je vienne par hasard. Et croyez-moi, je ne suis pas du tout déçu. Regardez-moi ces passages qu'il y a. Toute beauté. On ne triche pas, on continue à faire le tour. Et on savoure chaque seconde, les amis. C'est trop beau. Le Carlabaille est une commune française située dans le nord du département de l'Ariège, en région Occitanie. Carlabaille est une commune rurale qui compte 796 habitants en 2021, après avoir connu un pic de population de 2030 habitants en 1851. Ces habitants sont appelés les Carlanais ou Carlanaises. Les communes les plus proches sont Castéra, Le Fossat, Artigat, Lanoux, Campagne-sur-Arize, Les Bordes sur Arize, Sabarat et Sura. Je m'excuse pour le vent les amis. Mais là je vois qu'il y a un passage pour monter auprès de l'église, je vais le faire. Et je voulais vous montrer qu'auprès de l'église il y a une dame totalement nue. Voilà, c'est la sculpture florentine. Juste contre le mur d'église, c'est original. Alors je vais monter pour voir la vue un petit peu comme on a depuis là-haut. Et bon, ça comme c'est beau les amis. Magnifique, mais ici moi pour moi c'est un paradis, il n'y a que la pierre. Là il y a un banc.
Et quand on est assis sur le banc, je vais m'asseoir, je regarde que la peinture soit pas fraîche. Quand je m'assois sur le banc, voilà la vue que j'ai. Regardez comme c'est beau. Je suis derrière l'église. De ce contrefort là. Magnifique. Magnifique. Trop trop beau. Je sais pas si j'ai le droit d'être là, mais bon. Mais si, on peut apparemment. Et comme elle est belle cette église. L'église Carlabaille là donc. Je suis vraiment désolé pour le vent. Hein. Mais au moins il fait beau. C'était couvert au départ, mais là, c'est dégagé. Tant mieux. Je vais essayer d'y rentrer pour voir si on peut visiter. Sans en être sûr, mais regardez la vue qu'on a. Je vais essayer de rentrer.
cette sculpture, comme elle est magnifique. Très très beau. C'est vraiment magnifique ici. Franchement, on ne sait plus où regarder tellement qu'il y a des choses à voir. On va attaquer les ruelles, les amis. Je vais sauvegarder les sculptures, là. C'est magnifique. Et les amis, on attaque la petite ruelle. Regardez, une maison typique. Une décoration un petit peu inattendue, on va dire. Toute beauté. On sent bien que c'est un village qui aime être entretenu. C'est mon point de vue perso, hein. Peut-être que je me trompe. Vous avez ici des galeries partout, un petit peu partout. Et là, on arrive à la place du village. Vraiment ça, comme c'est beau. Bon, il y a les chantiers en cours, hein, c'est normal. C'est que je vous disais, le petit passage tout à l'heure que je vais vous montrer, il est là. Regardez-moi ça, comme c'est beau. La mairie. Pour être honnête, les amis, on ne sait plus où regarder ici, tellement que c'est beau. Regardez ici, on voit la beauté du paysage. Regardez ça. Il y a écrit Pierre Bayle, philosophe de Rotterdam, de 1647 à 1706. Et là, il y a sa photo et son portrait gravé. Super haut. Donc, Pierre Bayle, avait dit je suis citoyen du monde. Ça c'est la fontaine, c'est marqué, c'est gravé là. Je suis citoyen du monde. Et sur l'eau, il n'est pas potable. Mais là, de toute façon, de l'eau, il n'y en a pas. Donc ne risquez pas d'avoir. Hein. Vous avez toutes les églises.
région ou le village de Carabail, ici. Je suis désolé, on entend la bétonnière derrière qui tourne. Allez, j'essaie de m'éloigner d'elle. Regardez comme c'est beau. Pas magnifique ça. Ici l'école publique, les amis. Attendez, je vais passer dans cette rue. Oh, magnifique! Il y a un musée. Très très joli. Regardez l'ensemble boîte aux lettres, c'est magnifique. Une sorte de bateau. Et tout ça fait à base de bouts de bois. Là avec des allumettes. Ils sont très très forts ces artistes, je vous le garantis, les amis, pour faire des œuvres avec nous, ce qu'on aurait jeté entre guillemets, et bien eux, pour eux c'est un trésor. Et ils en profitent pour créer avec nos déchets en fait. Nos déchets sont les bienvenus. Regardez l'hélicoptère, c'est trop rigolo. Les vieilles sonnettes là. Elle est tournée pour actionner l'électricité. Bon, c'est très bien. Franchement, c'est trop joli. Je suis désolé pour le vent, les amis, mais je viens de parler avec une dame, là, une artiste. Passer 5 minutes avec elle, c'est totalement agréable. Regardez comme c'est beau. Toutes les constructions. Beaucoup trop beau, les amis. C'est beau. Voilà, je vais faire le tour pour éviter les travaux de nouveau. Regardez-moi ce monument aux morts aussi, comme il est beau. Je ne voulais pas filmer, je vais vous le filmer. Je vous laisse faire pause si vous voulez voir les détails. Plus agréable que la bétonnière est éteinte. Allez. C'est beau là, cette sculpture, les amis. Thank you.
l'église est là-bas. Nous, on va descendre par là. Je suis désolé pour le vent, les amis, mais vous le savez, on est en altitude ici. Donc forcément, on prend le vent un peu plus. C'est de la chaux, je peux vous le dire. Je sais reconnaître quand c'est de la chaux. Ici, regardez comme ça est terré donc là aussi. Magnifique. Invite à venir visiter ce village, bien sûr les amis, vous vous doutez bien que je vais vous dire oui, parce que quand on a une vue comme celle-là, et bien je vous garantis que il faut venir. Je vous demande aussi les amis, s'il vous plaît, de vous abonner à ma chaîne YouTube et sur Facebook, à cliquer sur la cloche de notification ainsi que de partager la vidéo et de m'encourager avec un pouce bleu. Voilà, j'ai tout dit dans le désordre, je vais m'embêter avec le montage mais ça fait rien, mais c'est important de vous le dire. N'oubliez pas donc de vous abonner les amis. Allez, je vais prendre chemin retour, mais regardez-moi ce paysage magnifique.